La scène a de la chance, elle n'a pas de soucis. Elle se la coule douce, le jour comme la nuit. La scène a de la chance, elle n'a pas de soucis. Et quand elle se promène tout le long de ses quais, avec sa belle robe verte et ses lumières dorées, Notre-Dame jalouse, immobile et sévère, du haut de toutes ses pierres, la regarde de travers. Mais la scène s'en balance, elle n'a pas de soucis, elle se la coule douce, le jour comme la nuit, et s'en va vers le Havre, et s'en va vers la mer, en pensant comme un rêve, au milieu des mystères, des misères de Paris. Mais les belles marinières et leurs pauvres mariniers qui remontent la rivière s'en vont vers Aubervilliers, s'en vont vers Aubervilliers. S'en vont vers Aubervilliers. En 1831, la population du petit village d'Aubervilliers, population entièrement rurale, comptait 2213 habitants, mais les temps ont changé. Et la petite cité industrielle d'Aubervilliers compte aujourd'hui 55 000 habitants, ouvriers pour la plupart, et la plupart de ces ouvriers vivent au milieu des ruines et logent dans des taudis. Et ces ruines ne sont pas les ruines toutes neuves de la guerre, ce sont déjà d'anciennes ruines, des ruines banales, les simples ruines de la misère ouvrière. Peu de gens connaissent Aubervilliers à deux pas de Paris, de la place Vendôme et des Champs-Élysées. La capitale a ses petits secrets et ses beautés cachées. Petits enfants d'Aubervilliers, vous plongez la tête la première dans les eaux grasses de la misère, où flottent les vieux morceaux de liège avec les pauvres vieux chacravés. Mais votre jeunesse vous protège et vous êtes les privilégiés d'un monde hostile et sans pitié. Le triste monde d'Aubervilliers, où sans cesse vos pères et mères ont toujours, toujours travaillé pour échapper à la misère d'Aubervilliers, à la misère du monde entier. Gentils enfants d'Aubervilliers, gentils enfants des prolétaires, gentils enfants de la misère, gentils enfants du monde entier. Mais dans ce monde où la joie de vivre est exclue, la lutte pour la vie continue. Et l'on peut voir la misère aux prises avec le travail pour quelques morceaux de charbon. Et partout sur les quais, les tocs, dans les entrepôts, dans les fabriques et les magasins généraux, le labeur de l'homme se poursuit. Tandis que monte dans le ciel, irrémédiablement, la sombre fumée des usines où l'on brûle, les ordures et les chevaux morts de la ville de Paris. De même que Sainte-Cécile est la patronne des musiciens et Saint-Crépin le patron des cordonniers, Saint-Gobain est non seulement le patron des miroitiers, mais aussi, sans aucun doute, le patron des nombreuses manufactures et usines dites de Saint-Gobain. Celle d'Aubervilliers emploie 250 ouvriers pour la fabrication d'acide sulfurique, d'ammoniac, d'engrais, de produits décapants et dégraissants. 12 ouvriers travaillent dans cet atelier. Le
produit fabriqué est à base de soude caustique et surtout l'été, il se mélange à la sueur du travail et les mains de l'ouvrier se trouvent, elles aussi, dégraissées et décapées. Peu de gens aiment faire ce travail et comme dit l'homme qui le fait, les mains encore ça va, on peut se rendre compte, mais je voudrais bien savoir ce que ça donne à l'intérieur. Et sans être savant, il a comme ça vaguement une idée que ça ne doit pas être tellement brillant à l'intérieur. Mais dans le quartier du Landy, les maisons d'habitation, les maisons louées bourgeoisement, n'ont rien à envier aux usines pour l'hygiène, pour le confort et la gaieté. Maison d'Aubervilliers, ruine de l'adversité, épave de la cité, habitée par de pauvres locataires qui n'ont même pas l'eau sur le palier. Et la jeune fille, comme dans les vieilles chansons françaises, s'en va avec son bro à la fontaine quérir de l'eau. Cultivé comme un petit rat d'Aubervilliers, comme la misère qui court les rues, les petites rues d'Aubervilliers. L'eau courante court sur le pavé d'Aubervilliers. Elle se dépêche, elle est pressée. On dirait qu'elle veut échapper, échapper à Aubervilliers. Pour s'en aller dans la campagne, dans les prés et dans les forêts. Et raconter à ses compagnes les rivières, les bois et les prés. Les simples rêves des ouvriers d'Aubervilliers. José Pereira, qu'on appelle Joseph dans le quartier où il habite depuis pas mal d'années, est d'origine portugaise. Il a 53 ans, mais en paraît davantage. Il travaillait comme manœuvre dans la charpente en bois et n'a jamais eu beaucoup de chance. Toujours des ennuis. Quand quelqu'un tombait d'un échafaudage, c'était toujours lui. Très fatigué, il vivote, il bricole et, en bon serviteur de la nature, il suit chaque jour, sans le savoir, le conseil du philosophe « Cultivons notre jardin ». Puis rentre dans son modeste pavillon, où le pain est précautionneusement suspendu au plafond à cause des rats. Madame Rochereau a 79 ans et elle travaille encore chez un maraîcher. Elle cultive la terre comme elle le faisait du temps de sa jeunesse et comme elle était aussi nourrice. Un diplôme lui a été autrefois décerné à l'occasion d'un grand concours de bébés. Ce diplôme porte la signature de Pierre Laval, ancien maire d'Aubervilliers. Mais le bébé a grandi, et 17 ans plus tard, pendant l'occupation, il a été envoyé en Allemagne sous l'ordre de l'ancien maire d'Aubervilliers parce qu'on avait trouvé une arme cachée sous son oreiller. Encore une mauvaise tête, un petit ingrat. Cet autre diplôme atteste que la médaille d'argent de la famille française a été décerné en témoignage de reconnaissance nationale à Madame Carouget le 4 août 1929. Signature, président Doumergue. Madame Carouget a 87 ans. Elle a eu 9 enfants. Elle vit là avec sa fille Laurence qui a 66 ans. C'est une famille de fondeurs, de soudeurs. Ils avaient construit cette maison eux-mêmes il y a de cela 33 ans. Un jour, la maison s'est effondrée. Madame Carouget et sa fille l'habitent toujours, mais le terrain ne leur appartient pas et elles ont parfois des ennuis avec les huissiers. Elles espèrent que cela va s'arranger. Mais les gens s'habituent à tout, malgré tout. Et les terrifiantes et incessantes petites épreuves de la vie quotidienne les absorbent. Ils n'ont ni le temps, ni le triste loisir de réaliser tout à fait combien sont insolites et invraisemblables leurs misérables conditions d'existence. Lorsque l'opérateur de prise de vue pénètre chez eux, s'excusant, gêné, il se montre d'abord surpris, un peu méfiant, puis tout à fait lointain, indifférent. Et ce vieillard infirme et sa compagne achèvent ici leur vie doucement. Pour eux, c'est une vie comme une autre, une vie qui sans doute a mal commencé et qui finira de même. C'est la vie, pense-t-il, selon la formule consacrée, selon la formule résignée. «
Et ce vieil homme seul qui accomplit une petite besogne ménagère songe simplement que bientôt il va falloir qu'il aille loger ailleurs, il est exproprié. On doit agrandir le cimetière. À Aubervilliers, comme dans le faubourg Saint-Germain, il y a de vieux hôtels. Mais ce sont des hôtels de dernière classe. Gentils enfants des prolétaires, gentils enfants de la misère, gentils enfants du monde entier. Mais au milieu du désert, au cœur du paysage désolé, un coin de verdure apparaît. Dernier potager d'Aubervilliers où les derniers maraîchers soignent leurs légumes avec les gestes mêmes du passé. Puis s'en vont aux Halles, tranquillement, avec leur voiture et leur cheval, comme en 1830, comme on faisait avant. Comme dans toutes les villes du monde, les vieilles femmes en bavardant s'en vont au marché. Aujourd'hui, il y a de tout, dit une ménagère, mais tout est si cher, alors c'est comme s'il n'y avait pas grand-chose, trois fois rien. Mais le marché est pour tout le monde, pour les plus pauvres comme pour les gens aisés. Ils n'achètent pas les mêmes choses, voilà tout. Tout près des fleurs fraîchement coupées, l'étalage des choses d'autrefois, des vêtements d'occasion. Choix est délicat. Ce pantalon a déjà été porté pendant plusieurs années. Combien de temps encore serait-il capable de tenir le coup pour un nouveau propriétaire? Peut-être jusqu'à l'hiver. En regardant le fakir, l'astrologue qui tire l'horoscope en plein air, on pense à l'ancien maire d'Aubervilliers qui lui aussi prédisait l'avenir et promettait monts et merveilles à ses administrés. Monts et merveilles. Maison moderne.
marchés couverts, logements clairs et bon marché, eau courante, école modèle, terrain de sport, jardin d'enfants. Jardin d'enfants. Côte d'Azur et le grand air, c'est la poussière d'Aubervilliers. Et vous jetez sur le pavé les pauvres nés de la misère et de l'enfance désœuvrée, et qui pourrait vous en blâmer. Gentils enfants des prolétaires, gentils enfants de la misère, gentils enfants du monde entier. Et toujours des mères de famille et leur simple désir de vivre simplement avec leurs enfants. Les gens qui habitent ces roulottes ne sont pas des nomades prêts à repartir sur les routes au hasard de leur fantaisie. Ce sont tout simplement des gens qui n'ont pas trouvé à loger ailleurs et qui vivent là, en attendant. Et toujours le charmant visage de l'enfant, tout naturellement séduit par les choses les plus belles, un oiseau, le soleil, aussi bien que par les objets les plus dérisoires, les plus sordides, les pièces de monnaie par exemple. L'enfant plein de joie de vivre dans un monde qu'il n'a pas encore à juger, l'enfant amusé par tout ce qui se déroule dans le paysage, intrigué par les petits événements de la cité. Des gens heureux qui déménagent, des gens heureux de s'en aller, laissant derrière eux sans regret la maison où ils ont vécu tant d'années. Et dans le logement abandonné encore une fois au petit peuple des rats, bientôt de nouveaux locataires viendront à leur tour s'installer. Mais la vie quelquefois se trouve désarmée devant le tranquille courage de ceux qui malgré tout luttent sans cesse pour vivre, luttent contre la misère, contre le temps, luttent pour changer la vie. Ces enfants qui se poursuivent en éclatant de rire dans les décombres d'une des plus vieilles masures de la rue Neuve sont les enfants d'une famille ouvrière, frères et sœurs tendrement unis, élevés et bien élevés, envers et contre tout par un père et une mère qui les aiment et qui s'aiment et qui aiment la vie. Jeanne, 10 ans. Denise, 8 ans. Pierre, 7 ans. Solange, 12 ans. Tous vont à l'école primaire d'Aubervilliers. Aujourd'hui, c'est jeudi, ils ont congé. Ils sont vêtus très proprement de pauvres vêtements usés. Et pour les souliers, c'est même pas la peine d'en parler.
Mais leur mère, par des prodiges d'ingéniosité, réussit malgré les difficultés du ravitaillement à les nourrir à peu près convenablement. Et Bobby, l'ami fidèle des enfants, ne meurt pas de faim lui non plus. La mère, Madame Izzy. Et le père, Monsieur Izzy, qui revient du travail. En route, il a rencontré un de ses fils. Il n'a pas l'air aimable, Monsieur Izzy. Mais il ne faut pas se fier à la première impression, c'est au contraire un homme plein de gaieté et de bonhomie. Mais il porte des lunettes. Ça lui donne l'air sévère, il n'y peut rien. Roger, lui, a 15 ans, il est apprenti typographe. L'aîné, Alexandre, 16 ans, est employé au PTT. En somme, tout est parfait. Et qui pourrait penser, une fois ce touchant tableau familial accroché au mur, que ce mur même, ainsi que la toiture et tous les autres murs, menacent à chaque instant de s'écrouler. S'écrouler, vraiment. Et voici que l'on entend la voix incrédule de la commisération qui clame son indignation sur le ton même de la plus froide indifférence. Des choses pareilles au XXe siècle, mais c'est pas Dieu possible. Dieu possible ou pas, ces choses sont ainsi. Et malgré leur involontaire pittoresque, ces images d'Aubervilliers n'offrent qu'un des plus modestes aspects de la détresse d'un monde où la guerre est venue encore une fois, un peu partout, ajouter ses ruines à celles du passé pour rendre encore une fois la tâche plus difficile à ceux qui doivent tout déblayer, tout reconstruire, tout réparer. Et comme toujours, c'est au pied du mur qu'on trouve le maçon, et c'est encore une fois la rue des simples mains de l'ouvrier qui secouera ce monde figé et déprimé, ce monde qui doit absolument changer, et qui finira bien par changer.